C'est parti sur pour cette grande finale sur Battlefield Doc Mars Dato Jim. Doc a un bon positionnement là, qui est bien au centre du terrain, qui fait des pilules. Garde le centre du terrain, il commet pas d'erreur pour le moment. Oh là là, magnifique edge guard de Dato, classique avec son contre, qui a totalement retourné la situation. Jim qui semblait être en bonne position pour mettre des gros pourcents et qui s'était edgeguard grimpé limite. Jim est encore en bonne position ce coup-ci, est-ce qu'il va réussir à mettre cette stock. Ah là là, Dato qui est impitoyable, la moindre ouverture, 2-3 fers, il revient en offense, et un F-smash pour terminer cette stock. Gros début de Dato là, dans cette grande finale. Jim qui commence à faire autre chose que des pilules, qui fait des backers, et Dato qui a un excellent spacing, qui est juste sur les footsies, qui lui empêche de prendre les backers et de mettre des coups. Oh là là, Ce F-Smash était passé, ça aurait été tellement violent aussi. Covery, oh là là. Dato est totalement en train de lui bouffer le cerveau là. Il sait exactement ce que va faire Jim tout le temps. Et là, LeBron James pour terminer la première stock de Dato. 66%. Dato a qu'une stock d'avantage, une stock ennemie. Ah, c'est parti, un bon combo peut-être. Ah là là, Jim qui est pas au point aujourd'hui sur ses follow-ups là, sur les techs. Il va se reprendre, ne vous inquiétez pas. Il va réfléchir. D'ailleurs, il drop ce match, il cherche même pas à trouver des options pour la suite. Tout de suite, tant qu'il est chaud, tant qu'il est concentré, et tant qu'il ne se fait pas compléter, on passe au match suivant sur destination finale, direct, sans transition. Donc, un bon petit début en observation là. Ah là, Jim qui commence à faire des bons combos, down throw, tout up there. On repasse en neutral game. Ah, le grab qui est pas passé. Dato en profite. C'est pas un gros combo. Pilule pour regagner un peu de terrain là. Voilà. Dato, tu connais le match-up. Tu sais qu'il faut pas trop approcher. Tu te tentes d'éviter les pilules comme tu peux. Un jab pour les casser ou un shield ou quoi. Oh, joli d'un coup de Doc là en Tomahawk. Et ça suffit pas pour l'edge guard, mais Jim a toujours l'avantage. Rap et faire. Première stock terminée. Jim 47%, il a un bon avantage là. Et c'est parti, Dato qui commence à faire des qui commence à le juggle en l'air. Il a pris 2%. Oh magnifique, encore un contre sur le up B de Doc. Et Doc était bien trop bas pour recevoir. Ça c'était vraiment bien joué, c'était du Dato tout craché. Et on repasse en neutral game, Dato qui se contente de ne pas bouger en neutral game, qui attend que Jim fasse une bêtise. Il n'a pas peur des pilules, il sait comment les contrer. Un grab, up tilt, il essaie de gérer le direct, c'est un peu raté. On repasse en neutral game. Ah là là, dommage, je pense pas qu'il voulait faire un saut, un grand saut, il voulait faire un petit saut avec un back air. Dato continue à rester sur le bord, attendre les bêtises de Jim et couper. Down smash, super, ça passe assez bien le down smash. Garde, oh dommage, la cape était trop tôt ou trop tard, je sais pas trop. Jim qui va pas mettre ce stuff, il a fait un long bout de bestie, c'était vraiment trop loin pour tuer. Oh bien joué la pilule, mais ça suffit pas. Down throw, back air, il continue à le suivre. Dato qui fait des fers pour se placer et pour empêcher Jim de continuer à approcher. Grab, fer, garde. Oh encore le contre, mais ce coup-ci c'est pas passé. Jim qui s'y attendait. Et malgré cet edge guard violent des deux côtés, les deux arrivent à remonter son terrain pour se terminer avec un gros downstage de Doc, mais qui a plus de 62%, il va probablement pas tarder à mourir. Et voilà, un upper et c'est bon. Très très serré ce match, 2 stocks partout, 0%. Grab, up smash, pilule, on continue à se PC, j'essaie de regagner le terrain. Down smash encore, pilule, grab, upper, et smash, magnifique combo.
très très beau combo de Doc qui a repris un avantage de 19%. Oh là là, Dato qui se laisse pas démonter, qui direct lui met une stock. One stock match 0%. C'est tendu. Les deux ont montré qu'ils arrivaient à punir violemment leur adversaire. Tout le suspense est resté. Ah, Doc a un bon début là de combo. Les pilules. Et toi, tu contrôles un peu moins bien les pilules que tout à l'heure. Elle était peut-être un petit peu trop près. F-Smash qui passe pas. Faire. Encore en faire. F-Smash typé. Mais ça suffit pas. Une bonne délit de Jim qui revient. Le B qui passe. Ah là là, vous voulez rater, faire contre la pilule d'un smash coup s'il n'est pas passé. Hop, ah non, faire. Il va le juggle, non, up tilt. Je crois qu'il a touché le sol. Et c'est en bonne tech, encore up B. Oh là là, le power shield sur le shield breaker, c'est cette fin de match est complètement folle. Down air, up air, oh là là, magnifique. C'était magnifique de la part des deux joueurs. C'est monté crescendo jusqu'au bout et c'est Dato qui en sort vainqueur. Ce qui nous fait donc 2-0 pour Dato dans cette grande finale. Il y a un match de remporter le tournoi, la deuxième édition du Cosma Game. Et on s'en remet sur Destiny. C'est parti, et sur la même strat. Je bouge pas, j'attends les pilules. Dash attack, casse les pilules. Shield, casse les pilules, j'essaie d'approcher tranquillement. On reste en neutral game, hein. pas de conneries, pas de bêtises. On sait que c'est pour du sérieux, là, il y a de l'argent au bout. Ah, Dato qui a raté son approche en dash dance, qui s'est fait avoir par la roulette de Jim. Un fer, et ça sera tout. Pro. Ah là là, le smash totalement manqué. Les deux cherchent une ouverture là, ils essaient de trouver d'autres stratégies d'approche que depuis tout à l'heure parce qu'ils savent que leurs adversaires savent ce qu'ils vont faire. Faire, aïe. Un fer de Doc, un fer pour se sortir du combo, back air. Et on continue, pilule, neutral game là. Oh bon grab de Doc, de Dato. Le smash qui tue pas. Pilule, double pilule, oh bien joué, magnifique down tilt. Jim avait mal sweet spot son B et Dato en a profité tout de suite, il s'est retourné, il a fait un down tilt direct. Dato qui a donc un avantage là avec une stop d'avance et assez peu de pourcentage, mais même à ce pourcentage, voilà, un fer comme ça, ça tue. Très très beau combo. C'est toujours très serré là, hein. Ils ont trouvé chacun des solutions pour battre l'autre, mais en même temps en fait. Donc, du coup ça reste vachement even. Faire down air, c'est une bonne tech de Jim. Le up smash. Il a pris son saut, il a plus de saut. Ah, une bonne recovery de Dato là. Faire. Le grab. Ah, la pilule qui touche, c'est dommage. Il n'a pas pu la crunch cancel, il est trop puissant. Et le up air, mais il pouvait pas faire autre chose, donc il est revenu sur le terrain tranquillement pour continuer le guard. Down air, up tilt. Les deux commencent à avoir des gros pourcents, ils cherchent tous les deux le truc. Down throw, non, trop pourcent pour follow up. Et Doc, c'est un back air. Les deux ont vraiment envie de prendre l'avantage sur cette stop parce qu'ils savent que ça sera gros, ils seront capables de se mettre beaucoup de pourcents avant de mourir dans la prochaine stop. Jolie tech, mais un F-Smash typé de Dato. C'est Dato qui prend le dessus dans cette confrontation et dans cette stop qui était très très tendue, mais qui va se faire bien tout de suite. Et ouais, la cape, mauvais sweet spot et contre Jim, ça pardonne pas. Il le ratera jamais ça. Hein. Down throw et un gros combo de Jimmy commence là, alors Dato qui a fait un fer au bon moment. Pilule, on revient à notre game, on cherche une ouverture. F tilt, ah la pilule qui était trop haut. Dato qui en profite, qui fait un bon combo. Et pilule, Dato qui s'affranchit doucement en marchant. Il essaie d'être pile-poil dans les footsies au bout de l'épée. Oh là là, il a avancé un petit peu trop, il a pris un down smash. Oh les gardes, bien joué de Dato. Ah ça l'a retourné, bien joué Jim, il a plus le grab parce qu'il avait...
lequel des deux va réussir à avoir l'escarpe sur... Et voilà, c'est Jim qui réussit encore avec un fer. Il va falloir qu'il mette un bon coup là, un bon combo. Ah, le smash est pas passé. Grab, 3% pour follow-up. Les deux se cherchent là. Datu doit absolument mettre cette stock sans prendre trop de pourcents, sinon il va avoir du mal à gagner sa finale en 3-0. FR. Ah, la pique a touché. Bonne recovery de Jim. Smash. Oh, bien joué. Bon air. Je pense que ça devrait suffire. Ouais, c'est bon là. Easy, 47% sur Datto, c'est tout à fait faisable. Faut juste qu'il se passe pas grave, qu'il se remette en neutral game là. Il trouve une ouverture, voilà, parfait. Il a pas réussi à faire un petit derrière. Le fer, il est pas passé ce coup-ci, Jim, c'est pas fait avoir, il a fait une bonne roulade. On continue sur les pilules, on passe à travers les pilules. C'est ce qu'il faut faire. On voit vraiment que Datto connaît le matchup, il connaît exactement le timing où il faut taper dans la pilule pour pas se faire punir par Doc. Up tilt, un autre up tilt, un autre pair, F smash, et d'un coup d'un seul, c'est Datto qui a l'avantage. Down throw, et le fer, et ça tue, bien joué, 3-1, 2-1, pardon. Très très tendu sur destination finale. Jim nous a montré toutes les ressources qu'il a. Il va falloir maintenant qu'il gagne sur les deux counter picks de Datto, ça va être tendu. Mais il en est capable, il a bien montré sur la fin qu'il sait ce qu'il faut faire et... Et on devra avoir encore un match bien serré. Évidemment, Mars Story. Un coup d'épée pour la moitié du terrain. Ça, Jimmy le sait, il ne peut pas trop faire de pilule. D'ailleurs, il n'en fait pas. Un grab. Up throw. Oh, bon trade. Bon trade pour Doc, moi. Et encore un grab. F-smash. Oh, sale histoire. Sale F-smash typé là sur la recovery de Jim. Datto qui part avec un gros avantage dans ce... Oh là là, oh non, c'est un down smash encore plus sale de Jim. Oh non, dommage, il a raté ça. Il a roulé beaucoup trop tôt. Dash attack, back air. Oh, l'autre back air qui est pas passé. Oh, c'était pas loin. Back throw, ça suffit pas. Pas encore à 7%. Une pilule pour couvrir. Mais Datto remonte tranquillement sur le terrain. Back throw, le sniper est pas passé, il était trop loin. Dash attack tout, FR, down tilt, il s'accroche au bord. Oh, Randall, non, Randall, à 2 pixels près, c'est pas possible. Les deux sont pas avec Jim, visiblement. Jim qui commence à être nettement plus prudent, il sait qu'il a plus droit à l'erreur là. Il a que 2 stocks à remonter contre 4, même s'il est à 60% sur Datto. Pas qu'ils prennent trop de dégâts. Oh, oh là là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Je crois qu'il y avait un fantomique d'un OS. Ah, Jim qui attend au bord là. Ah là là, il n'arrive pas à remonter sur le terrain, il est toujours au bord, il est toujours pressé. Oh, le F-Mash, il aurait peut-être passé. Ah, et Datto qui continue, à chaque fois qu'il fait un fer, il continue avec un autre fer, ou avec un repère. Tranquillement, il met des pourcents, il juggle. Un grab, back throw. Ah là là, il a pris la pilule, dommage. Il a du mal à recover. Oh, tout juste, il a réussi, mais ça risque de ne pas suffire. Et ouais, un bon back air de Doc, de Mars. 3 stocks à remonter pour Jim, ça va être tendu. Il en est capable, hein. Qu'il soit suffisamment patient, que Datto se fasse bien avoir par les pilules. Un truc comme ça, là, ça commence comme ça. Une bonne dash attack ou up air, ça peut te faire retourner une stock. Non, là, le fer, par contre, c'était pas envisageable. Down smash encore. Ah là là, Datto qui est impitoyable, qui laisse pas passer. Il arrive même à faire cette recovery. Et un bon wave dash d'Aker là. Allez, on y croit là, Jimmy va le faire. Il reste un peu au bord, il gagne un peu d'invisibilité, il se sert de Randall. Ah là là, faire, casse la pilule, faire, encore à faire. Allez, un FR là,
ça peut suffire. On va commencer le combo. Jin qui passe son temps à faire une recovery. Ah, dommage. Allez, c'est bon, là, c'est l'ouverture qu'il lui fallait pour remonter sur le terrain. Ah, du coup, il se retrouve bloqué de l'autre côté, la tech, mais ça va suffire. Ouais, bien joué, magnifique game. Non, il n'est pas mort. Oh là là, c'était tellement tendu. Jin qui est à 150%. Oh non. Oh là là. Et cette grande finale de ce tournoi qui vont à Dato 3-1 contre Jin. Très serré tous les matchs. C'était vraiment dommage pour ce suicide à la fin là.